Pour les deux élus alsaciens. This beautiful Strasbourg march for climate. Because it is beautiful, but a lot of people are going to do something together for the environment. It is clear that Mr. Schulz, the chair of the European Parliament, for many commitments as well. Si la vie y a, se félicite de nous voir tous ici réunis pour une grande cause, une cause commune, dans laquelle, pour laquelle il espère que nous allons travailler, voire que nous travaillons main dans la main. C'est un encouragement aussi. Pour Monsieur Denouvoir, ici, qui se réunit. C'est lui, bah, nous attendons de vous des actions et aussi la signature d'accords certes réalisables, mais aussi très ambitieux. En tout cas, sans faille et sans délai. Merci pour avoir pris cette initiative de relayer la pétition, d'organiser des choses sur Strasbourg, d'organiser cette initiative aujourd'hui. Pourquoi merci ? Parce que on est écologiste, ça fait un certain temps qu'on est sensibilisé à la cause climatique, mais on a parfois l'impression que l'enjeu climatique est devenu un enjeu secondaire ou un débat d'experts, et que les citoyens ne sont pas assez présents au quotidien sur cette mobilisation et qu'on délèguerait ça à des sachants qui nous emmèneraient vers des solutions qu'on imagine pertinentes ou pas, peu importe. Mais je crois vraiment qu'il est important de faire le lien entre l'action citoyenne et l'action politique. On avait le Parlement européen, vous avez la ville de Strasbourg, on a les citoyens. C'est ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses. Vous disiez tout à l'heure, on compte sur les élus pour prendre des décisions. Moi, je voudrais simplement dire, oui, on va essayer de prendre des décisions, mais ces décisions, on les prendra et elles seront d'autant plus fortes que nous aurons des citoyens avec nous, derrière nous, pour les appuyer et pour convaincre celles et ceux qui sont peut-être encore un peu trop frileux pour prendre des décisions urgentes qui s'imposent pour enrayer le changement climatique. Mais il faut qu'on soit encore plus nombreux, le 21 à Strasbourg, partout dans les 376 villes que vous avez évoquées, et qu'on continue ce mouvement et qu'on continue cet échange entre citoyens, élus et institutions globales comme le Parlement européen. Penser local, agir global, c'est une devise, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Rappelez-nous nos responsabilités, poussez-nous, et on aidera avec vous à enrayer ce phénomène dramatique, qui est l'enjeu du siècle, pour l'enjeu climatique. Même si on a récolté 7000 signatures, et c'est ces 7000-là qui ont été récoltées en un temps record, en un temps record qui sont importantes.